Lohan Lafon Battisti foi braço direito de Rémy Kopakopoulos, responsável por divulgar a música brasileira na França até morrer em maio desse ano. Contrariando a si mesmo, às 5h20 da manhã de sábado, 14 de novembro, Lohan postou no Facebook um retrato seu, tirado 6 horas antes pelo amigo Jérôme Banshot, na pista do Bataclan. 30 minutos depois da foto, começaria o tiroteio que matou pelo menos 89 pessoas na casa de show parisiense. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais un de mes amis qui n'a pas pu s'y rendre m'a donné son ticket. Dans l'après-midi, je constate sur Facebook qu'un autre ami allait se rendre à ce concert aussi, donc on se met en rapport et on a trouvé une place intéressante juste derrière la console de l'ingénieur du son. J'étais très content de ma place, puisque j'avais juste la console devant moi et personne qui me gênait. J'ai vraiment aimé cette demi-heure. Alors l'ambiance était très très festive, surtout que nous voyions les gens qui étaient dans les premiers rangs dans la fosse, qui étaient joyeux, qui sautaient, qui portaient même parfois les uns les autres sur les vagues. Et voilà, après 30 minutes, ils sont en train de jouer Kiss the Devil. Exactement, oui. Eh bien, il y a des détonations, des pétards. C'est vrai que, bon, depuis, j'ai consulté toutes les informations et tous les témoignages que j'ai pu lire. C'est vrai que j'ai pensé la même chose. J'ai pensé que c'était un jeu de scène, c'est-à-dire une surprise que le groupe faisait. Même au moment où on croit comprendre ce qui se passe, il y a aussi une voix en soi qui dit non, mais c'est pas possible, ça peut pas arriver, c'est irréel. Je crois que c'est comme en musique, c'est une affaire de tempo, c'est-à-dire que les personnes qui ont réagi tout de suite, qui ont compris tout de suite et réagi tout de suite, n'ont pas forcément fait le meilleur choix, c'est-à-dire qu'elles étaient trop en avance sur le tempo, elles ont peut-être eu le réflexe de prendre des issues, enfin les issues pas de secours, les issues normales et de descendre les escaliers. Et donc de tomber nez à nez avec les terroristes. Moi, du coup, en étant plus lent, j'ai eu le temps de voir certaines de ces personnes remonter, donc je savais qu'il ne fallait pas qu'on sorte par là où on était entré. Le problème, c'est que certaines des personnes qui se trouvaient dans cette file d'attente au sol, parfois paniquaient et ne bougeaient plus, donc ça ralentissait. C'est pour ça que mon ami Jérôme, lui, a pris une autre décision, il s'est faufilé beaucoup plus vite. Et nous nous sommes perdus à ce moment-là. On entendait des coups de feu, c'était très étrange parce que, et même, je voyais une partie de la fosse avant de me baisser sous les fauteuils. Il y avait un silence glacial en fait, parce que les gens terrorisés avaient compris qu'il fallait pas bouger, je sais pas, ils étaient tous les uns sur les autres, et toujours ces détonations. Et je crois que ce qui m'a fait le plus comprendre ce qui était en train de se passer, c'est non pas ce que j'ai vu ou entendu, mais c'est l'odeur de la poudre qui montait jusqu'au balcon, et c'est là qu'il n'y avait plus aucun doute. Il y a un ou deux moments à ce moment-là où je suis un peu envahi par la peur, vraiment, ce qui vous glace le sang, et vous vous dites. C'est là que je vais, enfin voilà, je vais mourir maintenant dans des conditions atroces. Et puis, j'ai appris quelque chose sur moi à ce moment-là, c'est que c'était assez facile de contrôler sa peur, en fait. Il faut se ressaisir et se dire, bon, mais peut-être aussi que tu as une chance de t'en sortir, et maintenant tu dois faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, et puis aussi bien te comporter.